Bernard est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Aiello. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continue à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Eh, hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Du bot, vieux. Ils ont l'air neufs. Ouais. Il les a piqués à un auxiliaire. Le pauvre mort de froid. Si Pearson était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où, le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré Noël, les gars. Ah ouais. Il va falloir rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Aiello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Aiello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse bouche. La jambe va mieux. Rien de sympa pour moi. Je vous préviens. Vous auriez une cigarette. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Merde! Hey, Daniel, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai des munitions, les gars. Hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Vous avez apporté quoi? Du chocolat? Des chaussettes sèches? Merde! Des bosses sur la colline! À 12h! Enrayez! Daniels, bute-les! Armes prêtes! Feu! C'est tout? Cherchez-en d'autres. En voilà un autre! Beau tir, Daniels. Ce poche-là ne rentrera pas. Mais comment on fait pour passer la 88e? Il devrait aller à la tente de commandement. Davis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est nous?
Hé, hey, caporal. J'ai une surprise pour toi. Merci, Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je pensais pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes ? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniels vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les pilotes ne savent plus où donner de la tête. Voilà, dès que le ravitaillement, servez-vous ! Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au... Ouais, en espérant qu'il reste un peu. Dans l'île. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Eh, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Mais pas nous demander d'y aller avec lui. Et du Queens, c'est pas l'humour. Ah, si tu le dis... Hé hey, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge. Et vite. Passez devant. Si tu vas à l'envers... Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hé, hey, fais ton boulot. Howard meurt, on est tous foutus. Je la tiens! Elle est amochée! Boche à la lisière! C'est un désinfectant! Retenez-les! Facile à dire sur toi! Boche, on approche! Couvrez-moi! Merde! On va te faire se gonner! On est cerné! Daniel, j'ai besoin de plus de temps! Dagwood White 5, nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. Évitez leur DCA. Du groupe de vol.
y a 2 heures. Au-dessus. Tais-toi. Éloignons-les des bombardiers. Déployez-vous. Thank you.
de la place en bombardier. On se tait et on se regroupe sur moi. UG, ici 509. Escorte terminée. Prêt pour appui aérien. Bien reçu, 509. L'infanterie et les engins blindés ennemis attaquent la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 mètres. À vous. On prend des gages de là, allez! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! On se replie! Allez, allez, allez! Les renforts aériens sont en route! Il tiendra pas! Il va falloir qu'on résiste encore un peu! Quelqu'un prête la mitrailleuse!
marcher! Allez! Surveillez cette lisière! Restez sur vos gardes! Les Boches vont revenir! Donne-moi ton arme! On aura pas le temps! Dégage, là!
pas bien. Mes oreilles bien explosées. Je sens plus, maman. C'est parce que je suis assis dessus. Oh, tant mieux. J'ai une question. Voilà. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment non plus. Il aura sûrement une médaille pour ça. C'est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses poches au traitement. Oui, c'est le Magne toi. Hey, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que le regard. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner